écoutez, moi je considère ça comme des plaisantins. Des plaisantins de telle sorte que vous voulez la démocratie et vous posez des actes antidémocratiques. Chacun est libre de dire oui, je veux une constitution ou non, je ne veux pas une constitution. Ce n'est pas un crime, c'est un jeu démocratique. Alors, moi, ce n'est pas une liste qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet de société du président Alpha Condé qui, pour l'essentiel, satisfait aujourd'hui le peuple de Guinée. Alors, ceux qui pensent, qui prétendent que le peuple est avec eux, alors on peut aller au référendum. Le peuple, c'est au référendum, le peuple, c'est pas dans les maisons de presse. Je m'excuse, monsieur les journalistes, le peuple, c'est pas dans la rue, le peuple, c'est pas dans les cabines, le peuple, c'est dans les urnes. Depuis 1958 jusqu'à date, nous avons quand même développé une culture de vote. Et c'est là-bas le peuple doit se prononcer. Ce n'est pas quelques individus qui chassaient dans un coin griffer ou mettre sous papier les noms des gens sur n'importe quoi en disant ce sont des criminels, etc. etc. Le vrai criminel, c'est eux. Parce que c'est ceux qui veulent reculer la démocratie. Quand quelqu'un se retrouve dans une dynamique de reculade de la démocratie, c'est un crime. Je crois que c'est eux qui doivent être poursuivis pour crime contre le peuple guinéen.